Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui fus guéri et sauvé par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté même de Dieu. Toi, disciple fidèle et femme à l'écoute, enracine en nos cœurs la parole de vie. Donne-nous d'écouter, de garder et de mettre en pratique l'Évangile du Christ, notre Maître et Seigneur. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'amour, console tous ceux qui souffrent par le baume versé de notre surnaturelle charité. Toi, persévérante jusqu'à la croix et au tombeau, accorde-nous la grâce de l'espérance dans les épreuves, de la force dans le combat, de la foi en la vie éternelle à l'heure de la mort. Toi qui, la première, as mérité de voir Jésus ressuscité et as reçu la mission de l'annoncer aux disciples, fais de nous des témoins crédibles et courageux du Christ vainqueur de la mort et éternellement glorieux. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.